Vous savez des fois pourquoi il y a des ingrats? Pourquoi des fois il y a des personnes ingrates? Parce que au fait, ces personnes sont incapables de réaliser dans quel trou ils se trouvent. Vous comprenez ça? Dis à ton voisin, il s'agit de toi. Dis à un autre voisin, il s'agit de moi maintenant. Très souvent, les ingrats existent parce qu'ils ne réalisent même pas dans quelle galère ils sont. Alors le jour où tu le sors de la galère, il ne va pas t'acclamer. Celui qui t'acclame parce que tu l'as sorti de la galère, il a d'abord réalisé dans quel type de galère il était. Donc dire que la foi c'est banaliser le problème, c'est mal définir la foi. La foi voit la grandeur du problème, afin de réaliser combien la main puissante de Dieu est grande. Celui qui sait voir que son problème est gros, saura aussi réaliser combien la main de Dieu est puissante. Do you understand? C'est-à-dire autant tu comprends que tu as un gros problème, autant tu vas avoir un esprit de reconnaissance envers celui qui va te délivrer de ce problème. Généralement, comme je le dis, je rentre encore vers les ingrats sont ingrats parce qu'ils sont incapables de voir dans quelle obscurité ils se trouvent, dans quelle dimension de pauvreté ils se trouvaient. Quand quelqu'un vient le sortir de là, il dit merci, il acclame pour un temps, mais après un moment, il oublie. Pourquoi? Ce n'est pas la main qui l'a délivré qu'il a oublié. Que quelqu'un m'entende bien. Ce n'est pas la main de cet homme qui l'a délivré que cet ingrat a oublié. Non, c'est plutôt dans quelles ténèbres il était. Celui qui oublie ses ténèbres ne sera jamais reconnaissant. Dis ça à ton frère. Si tu veux voir si quelqu'un est ingrat, il ne faut pas lui poser la question auprès de qui il a été reconnaissant. Tu as posé la mauvaise question. Si tu veux reconnaître un ingrat, tu dois d'abord te poser la question, est-ce qu'il réalise dans quelle obscurité il est? Lorsqu'il manque de quelque chose, est-ce qu'il réalise qu'il manque? Tu ne peux pas demander à une personne de dire merci si elle ne sait pas voir d'abord son état. Voilà pourquoi dans l'église, nos adorations ne se ressemblent pas. Il y a des gens ici, même si je prenais 50 micros et je commençais à crier « Adore, 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 tu n'adoreras pas. » Parce que ton problème à toi, c'est que tu es un ingrat. Et pourquoi tu es un ingrat envers Dieu? C'est parce que tu, déjà toi-même, tu ne sais pas voir d'où Dieu t'a sorti. Si tu ne sais pas voir d'où Dieu t'a sorti, tu ne vas pas reconnaître que Dieu est Dieu. Voilà pourquoi arrête de croire que quand on parle de la foi, ça veut dire « banalise le problème, c'est rien du tout. » C'est une très mauvaise manière de concevoir la foi. Voilà pourquoi quand il faut être reconnaissant, vous donnez seulement la reconnaissance pendant des petites minutes et tu oublies Dieu. Tu donnes à Dieu une action de grâce de 30 $, tu dis « Dieu m'a promu ». Et puis après ça, toutes les dîmes de 200 000 $, 400 000, tu ne donnes pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un ingrat. Pourquoi tu es ingrat? Parce que tu as oublié d'où Dieu t'a tiré. Donc la foi au fait, c'est d'être capable de voir qu'il y a une grosse pierre. Un homme de foi, une femme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui banalise les problèmes de sa vie. Ce n'est pas ça la foi. Un homme de foi, une femme de foi n'est pas la personne qui dit « Oh, ça c'est rien du tout ». C'est une personne qui voit la gravité. Elle voit que la pierre est grosse. Que quelqu'un me dise « La pierre est grosse ». Dis ça à quelqu'un d'autre qu'il guérisse. C'est celui qui est capable de dire « Ah, ce problème qui est tombé sur moi, c'est sérieux ». Celui-là qui a vu que la pierre est grosse, c'est celui-là qui reconnaîtra qu'il y a une plus grosse pierre que celle-là. C'est celui-là qui comprendra que non, la main de Dieu est terrible. Parce que si la main de Dieu a pu me délivrer de cette affaire, c'est que la main de Dieu est redoutable. Ton action de grâce, ton adoration change. Pourquoi? Parce que tu avais les yeux ouverts vers le problème, mais tu as vu la grandeur d'un Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, nous avons des adorations ingrates. Pourquoi? On a oublié d'où Dieu nous a tirés. Parce qu'aujourd'hui, tu mets une chemise, tu as oublié. Parce qu'aujourd'hui, on peut te saluer par certains frères, tu as oublié. Il y a une phrase que j'avais aimée, j'ai lu ça dans un livre. L'écrivain dit ceci, il faut faire attention. Lorsque vous vivez, vous avez des objectifs dans la vie, vous sortez d'un milieu modeste et vous voulez vraiment monter, faites attention à une chose. Lorsque vous serez au sommet, ne confondez pas les choses. À votre arrivée au sommet ne doit pas vous faire croire que vous ressemblez à ceux qui sont nés au sommet. Les hommes intelligents ont acclamé Jésus.
Je reprends la phrase pour celui qui était distrait. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont distraits. Cet écrivain disait quelque chose qui m'a fait du bien et que j'ai retenu. Lorsque tu sors d'une famille modeste, j'insiste là-dessus, lorsque ton père ne t'a pas laissé d'héritage, ta mère ne t'a pas laissé de chemin, le nom de ta mère, on ne connaît même pas dans le quartier, et que toi, tu te décides par la foi, puisque je parle de la foi, tu dis, moi, je ne finirai pas ma vie ici, moi, je dois arriver au sommet. Moi, je dois atteindre des choses extraordinaires que mon père n'a pas pu atteindre. Mais quand tu arriveras au sommet, par ta détermination, par la foi, par ton travail, tu trouveras des gens au sommet. Non, il ne faut pas croire que tu seras le premier. Tu trouveras des gens, tu trouveras des hommes qui ont le salaire là que tu cherches aujourd'hui. Tu trouveras des femmes qui ont le salaire que toi tu cherches aujourd'hui. Et quand tu trouveras ces personnes, attention, parmi les choses justement qui font chuter ces hommes qui sont déterminés, c'est qu'en arrivant au sommet, tu penses que tu ressembles aux personnes qui sont nées. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Je t'explique pourquoi. Parce que celui qui est né au sommet ne s'inquiète pas de chuter. Il ne connaît pas la vallée. Pourquoi tu vas t'inquiéter d'une chose que tu n'as jamais connue? On s'inquiète d'une chose qu'on a déjà connue. Celui qui est né au sommet, l'enfant d'un ministre, l'enfant. Ephraïm et Manassé, si tu veux. Parce que si je dis l'enfant d'un ministre, il y a des gens ici qui ont grandi avec des blessures, donc ils ne se sentent pas bien. Je dis Ephraïm et Manassé. Ah oui, il y a des gens comme ça, qui malheureusement ont grandi avec trop de blessures. Quand tu parles des enfants, il a l'impression que c'est, vous voulez l'enterrer. Alors je prends des exemples bibliques. Ephraïm et Manassé, deux enfants qui sont nés dans la gloire. Ils n'ont jamais connu la faim ou autre chose. Les fils de Joseph. Ils ne vont jamais s'inquiéter de comment on peut chuter. Ils ne sont jamais venus d'en bas. Celui qui est né en haut ne passe pas en bas. Mais toi, tu viens d'en bas, tu dois savoir qu'en bas existe. Donne-moi un amen. Tu dois savoir qu'en bas, la chose qui fera que tu ne redescendes pas, c'est le fait que tu garderas en tête qu'en bas existe et tu ne dois jamais. Très bien, tu as compris. J'aime votre réponse. Là-bas, on me suit bien. Tu ne dois pas retourner. C'est ce qui fera que tu entends parler. Oh non, lui, c'était un enfant de pauvre. Mais voilà, aujourd'hui, il est milliardaire. Mon frère, ce n'est pas le fait d'être enfant de pauvre qui fait devenir milliardaire. Parce qu'il y a même des gens qui réfléchissent comme ça. Une fois, j'ai parlé à un frère qui me disait, « Maman, vous n'avez pas remarqué que tous les milliardaires sortent des familles pauvres. Toi, tu crois que c'est automatique ?» La chose qui fera que tu sortes, c'est ta décision et ta foi. Et quand je rentre dans la foi, je veux donc dire, tu vas regarder ta vallée, tu vas dire, ça c'est trop gros. Je ne reste pas ici. La vallée ici est trop grave. Mon père a vécu dedans, moi mes enfants ne vivront pas. Je veux monter au sommet. Mais quand tu seras au sommet, n'oublie pas que celui qui est né au sommet n'est pas comme toi. Celui qui est né au sommet a des garanties que toi tu n'as pas. Celui qui est né au sommet, il n'y a pas que son père qui l'a amené là-bas. Il a des garanties que toi, tu... Ephraïm, même si Joseph meurt, il peut aller chez le Pharaon. Le Pharaon connaît Ephraïm. Il a des garanties que tu n'as pas. Alors quand tu arrives au sommet, surtout les demoiselles, attention, évitez ça. Qu'une femme regarde une autre femme et lui dise, attention à toi. J'ai besoin que les femmes parlent. Pour parler dehors, tu parles. Ici, quand il faut parler à l'église, tu ne parles pas. Dis à une femme, attention à toi. Les femmes, quand tu arrives à un niveau, Dieu te fait grâce. Tu commences aussi à mettre des tissages de $500, $600. Ma soeur, tu ne ressembles pas à celle qui est née avec les tissages de $500. Ça fait mal, mais je vais te le dire. Vous n'êtes pas pareil. Elle est née avec. Elle a des garanties. Toi, arrête de mettre tes hauts talons et de croire que vous êtes pareil parce que vous tous avez des hauts talons. Vous n'êtes pas pareil. Comme on n'est pas pareil, la détermination n'est pas pareille. Sois déterminé. Quand lui, il est en train de dilapider son argent dans les boîtes de nuit, il a des garanties. Toi, tu ne peux pas aller dilapider ton argent comme ça. Toi, tu as travaillé ton argent. Toi, tu es le précurseur des grands. Toi, tu es le précurseur de ceux qui vont de l'avant. Tu te maintiens au sommet. Que quelqu'un dise à un autre, moi je dois me maintenir au sommet. Attention,
Généralement, ce que nous voyons quand nous faisons un pas dans la vie, ce que nous trouvons là, nous trompe. Je parle ou je laisse. Je demandais, je parle ou je laisse. Il y a un exemple que l'homme de Dieu avait donné vendredi, je veux le donner autrement. Lorsque tu fais un pas et que tu es ministre de Dieu, je parle au ministre de Dieu, tu fais un pas dans la vie et que tu, en fait, de l'autre côté, tu rencontres des personnes qui ont la Bible comme toi, qui ouvrent la Bible comme toi, qui ont le ministère comme toi. Je dis à quelqu'un, attention, vous n'êtes pas pareil. Il y a des gens qui... Mon fils est Nocticapte. Il y a des gens qui ouvrent la Bible. Tu les as trouvés là. Ils ont la Bible ouverte parce que c'est leur papa qui leur a appris comment ouvrir la Bible. Toi, tu as commencé à ouvrir la Bible à 16 ans. Vous n'êtes pas pareil. Lui, même s'il cherche Habacuc, il a du mal à trouver Habacuc parce qu'il ne lit pas beaucoup la Bible. Mais celui qui lui a parlé en premier d'Habacuc, c'est son grand-père. Depuis des générations dans cette famille, la Bible est ouverte. Toi, tu es arrivé avec la Bible nouvellement, calme-toi. Arrête de croire que vous êtes. Tu vas te dire, non, comme eux ne jeûnent pas, moi aussi je ne jeûnerai pas. Mon frère, lui, il consomme les jeûnes de son père. Il consomme les jeûnes de sa mère. Il consomme... Ah, donne-moi un amen. Il consomme les jeûnes de sa grand-mère. Il y a même des gens qui consomment les jeûnes de ta grand-mère. Donc même sa grand-mère était une femme de prière. Toi, ton papa sorcier, ta maman alcoolique, et tu es en train de suivre l'autre. Tu dis, moi, je ne gênerai pas. Moi aussi, j'ai besoin de me relaxer. Ma soeur, vous ne venez pas du même moule. C'est une folie, permettez-moi le terme, que de croire que la foi doit t'aveugler face au problème. Tu dois voir que ici, là, le problème de ma vie, c'est ça. Moi, je ne peux pas me comporter comme eux. Bien-aimé, sors au fait de cette naïveté. Vous n'êtes pas pareil. Je ne sais pas pourquoi on n'aime pas les dire à l'église. On se dit, bon, si on le dit, c'est comme s'il y avait discrimination. Ce n'est pas une discrimination, c'est de la conscience. N'est-ce pas, mon frère? Je donne un exemple très bizarre, mais je veux le donner. Quand moi, j'entre dans un supermarché et je trouve qu'il y a une Asiatique à ma gauche, je vois de l'autre côté, il y a un Noir américain. Et de l'autre côté devant moi, il y a peut-être un Mexicain. Même si nous sommes tous là, en train d'attendre de payer au guichet, cela ne peut pas m'empêcher de voir qu'il est asiatique, c'est un Mexicain et c'est un Noir américain, je suis congolaise. On peut prier dans la même église, mais cela ne veut pas dire que ça m'empêche de voir que moi je suis congolaise. C'est ça de la conscience. C'est ça la conscience. La foi ne tue pas la conscience. J'aime ta foi. La foi, au contraire, comme je l'ai dit, ça t'ouvre les yeux. Tu vois les choses troublantes que la main de Dieu peut faire. Comment la main de Dieu peut troubler les problèmes les plus grands. Que l'Éternel t'aide à comprendre. Ces femmes se sont dit, on va quand même y aller. Il y a une grosse pierre, mais on va y aller. J'ai dit à une personne ce matin, va vers la tombe. Ne la laisse pas comme ça. Il faut aller là-bas. C'est un problème, mais va vers. Il y a des problèmes aujourd'hui que tu vas ressusciter. Hein, je me répète, tu m'as entendu en envers, ce n'est pas en envers. Il y a des problèmes que tu vas ressusciter. C'est-à-dire, c'était un problème, mais tu t'es tellement découragé que tu as oublié le dossier. Tu vas ressusciter ce dossier-là. On va terminer avec. Tu ne peux pas finir le mois de juin sans régler ça. Tu vas régler cette affaire. L'Éternel va te donner la victoire. Dieu va te donner ton témoignage. Mais il n'y a pas de témoignage si tu évites la tombe. Tu dois aller vers la tombe. Il ne faut pas fuir la tombe. Tu fuis quoi? Les femmes ont dit, c'est là, Jésus est mort, mais on va aller là-bas. Mais on l'a déjà embaumé. On l'a enterré. Non, on va encore y aller. Je dis à quelqu'un, va. Quel est ce problème? La tombe, mon frère, ce sont ces problèmes-là. Ces impossibilités. Laisse-moi ouvrir une parenthèse pour un homme intelligent. Les impossibilités d'aujourd'hui ne sont pas forcément impossibilités. J'explique. Il y a des impossibilités que nous appelons impossibilités. Aujourd'hui, c'est une question de temps et de saison. Autrefois, on ne pouvait pas utiliser son téléphone et faire un appel vidéo. Ça fait quelques années, comment passer? Combien d'années passées comme ça?
Prenons plus loin, prenons plus loin. Si vous allez, il y a par exemple 10 ans passés, vous aurez dit à quelqu'un, on peut faire un appel vidéo avec son téléphone. On va vous dire, vous êtes fou. C'est impossible. Il y a des choses qui sont impossibles aujourd'hui. C'est à cause de la saison. C'est à cause du temps. Mais dans la saison qui arrive, la même chose deviendra possible. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. La même chose deviendra possible. Alors mon frère, ne rate pas ton témoignage. Ce matin, je suis venu dire aux élus, on ne rate pas le témoignage. On va vers la tombe. On va finir avec ça aujourd'hui. On ne reste pas dans la chambre haute. On va aller vers la tombe. Ce problème doit prendre une autre forme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, ce problème-là, je suis fatigué avec. Tu es fatigué pourquoi? Tu es fatigué parce que tu n'avais pas compris que c'est question de saison. Il y a une saison qui arrive qui requiert le témoignage. Que ton témoignage se fasse entendre. Que sur ton témoignage crie fort. Vous savez, il y a des témoignages qui doivent vous arriver, pas pour vous amener à voir des maisons, voitures, mais il y a des témoignages qui doivent vous arriver pour qu'on sache que vous avez un Dieu. On doit savoir que vous avez un Dieu. Que ce n'est pas en vain que vous priez. Ce n'est pas en vain que vous jeûnez. Il y a un Dieu en qui vous avez cru et ce Dieu fait des miracles. Que quelqu'un me dise, je prends mon miracle. Assieds-toi sous l'onction, il y a un Dieu. Tu vas finir avec ce problème-là. Si tu me dis, ça fait 3 ans, j'aime même quand ça fait trop longtemps comme ça. On va finir avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une soeur qui me disait quelque part, écoute maman, tu entres dans ma chambre. Dans cette chambre, à chaque fois que je dors, ça fait plus de 16 ans, je fais que des cauchemars. Je dis, maintenant que je suis entré là-dedans, celui qui était dedans sort. Et la gloire de Dieu entre. Il y a des choses, même quand ça fait 20 ans, quand tu te décides d'aller, ça doit bouger. Je dis à quelqu'un, dis à notre voisin, regarde le voisin, les aromates. Dis-lui bien les aromates. Alors écoute ceci et écris. Rappelez-vous très bien que quelque chose s'est passé. Dans Luc 7, 37. Luc 7, 37 à, 30, à 48. Luc 7, 37 à 48. Luc 7, 37 à 48. Quelque chose se passe. Il y a une femme qui vient là, qui prend son parfum, qui passe par derrière, qui brise le parfum sur les jambes de Jésus, se met à pleurer et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle avait le parfum. Comme ces femmes qui allaient embaumer Jésus avaient les aromates, c'est-à-dire les épices et le parfum. Il y a quelque chose qui m'intéresse là, c'est que cette femme, pendant qu'elle pleurait, elle n'avait rien dit, rien dit, rien dit. Elle pleurait seulement. Mais à un moment donné, Jésus regarde et dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus, elle n'était pas venue demander le pardon de péché. Comment tu sais qu'elle était venue demander le pardon de péché? Oui, cette femme, au fait, quand elle était en train de parfumer les pieds de Jésus, elle était en train de faire une prière. Et c'était toute une prière. Que quelqu'un dise à son frère la prière. Dis à un autre la prière. Et donc, elle était en train de prier. Et quand elle a fini, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Va. Et donc, cette femme était venue avec un fardeau. C'était quoi son fardeau? Elle savait qu'elle avait un gros problème. Son problème, c'était premièrement l'impudicité. Et elle savait qu'il n'y avait personne qui pouvait l'aider à sortir de là. Deuxièmement, elle se posait la question, avec tout ce qu'elle avait fait dans la vie, qui pourrait pardonner? Il n'y avait personne. Elle n'avait même jamais entendu qu'il y avait quelqu'un qui pourrait pardonner son péché. Mais ce jour-là, parce qu'elle était consciente de son gros problème, elle est aussi allée vers des grandes solutions. Elle savait qu'elle avait des gros problèmes, elle est allée vers des grandes solutions. Dis à un frère, des grandes solutions. Tu as peu de foi, mon frère, dis à un autre, des grandes solutions. On a des gros problèmes, on va aller vers des grandes solutions. Les grandes solutions vont se manifester. Jésus lui a dit, pars, ton péché t'est pardonné. Tu peux partir, tu es libre. Cette femme est partie, elle n'était plus la même femme. J'ai dit à une personne, les aromates, le parfum et les épices, en réalité, c'est la prière. Garde la prière. Ça s'écorce, tu pries. Ça s'effrite, tu pries. J'ai dit à une âme, si tu vois le diable envoyer ses agents terrestres ainsi que ses démons pour commencer à mépriser une chose, pour commencer à distiller le mensonge autour d'un sujet qui concerne les chrétiens, tu dois savoir que ce sujet est une arme pour les chrétiens. Quand tu vois le diable toucher à l'offrande, il connaît la puissance de l'offrande. Donne-moi un amen. Ou bien toi-même, tu fais partie des gens qu'on a déjà détruits. J'ai dit, quand tu vois le diable toucher à l'offrande, il connaît la force de l'offrande. Le salut est venu par l'offrande.
Quand tu vois le diable toucher à la dîme, il connaît la force de la dîme. Quand il touche à la prière, il vous dit, vous êtes là seulement pour prier. Il distille ça partout. Et toi, tu es là un petit complexé, incapable d'assumer ton identité. Ah oui, c'est vrai, les églises aussi exagèrent. Il y a trop de prières. Incapable d'assumer ton identité. La prière est une puissance. La prière est un pouvoir. La prière est une force. La prière est une autorité. Je m'adresse à toi. Je dis, la prière est une autorité. La prière est une force. Dis à quelqu'un, le diable ne me volera pas la prière. Dis à un autre, je prierai aujourd'hui. Un autre, je prierai demain. Je prierai encore. Et je prierai toujours. On va prier. Le diable a menti. Tu dois voir les aromates. On ne va pas embaumer sans les aromates. Tu dois en avoir. Quand tu vas à la tombe, ne va pas seul, ne va pas même vide. Tu dois avoir les aromates. Devant le problème de ta vie, la prière. Ce n'est pas l'oncle qui doit venir là. Ce ne sont pas les dollars qui doivent venir. Cherche d'abord la prière. Prie encore, prie toujours. Malgré la fatigue, prie. Le diable fait toucher à ça. Oh, le diable est un menteur. Il ne touchera pas à notre arme. La première arme la plus puissante du chrétien, c'est la foi. La deuxième, c'est la prière. C'est la prière qui ouvre le ciel. Ah, j'ai besoin que les élus m'entendent. C'est la prière qui ouvre le ciel. Ça change l'atmosphère du ciel. C'est la prière qui attire les faveurs. C'est la prière qui change les parcours. Écoute-moi très bien. La prière, ça agit dans le présent et dans le futur. Maman, que personne ne te vole la prière. La prière que tu peux faire, que tu vas faire tout à l'heure là, ça va aller attendre même les enfants de tes enfants. Le diable ne peut pas aimer te voir prier. C'est comme ça que quand tu es à la maison, il t'envoie la fatigue. Il t'envoie, mon frère, si tu as déjà remarqué, c'est quand tu es très fatigué, quand tu te dis, bon, je vais quand même commencer. Plus tu commences, plus le corps est en train de te lâcher. Le corps n'arrive plus à te contrôler. L'esprit monte encore. La prière fraye des chemins. Écoute-moi. La prière permet aux ruelles qui n'existaient pas d'exister. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'existent pas dans ta famille. Par la prière, ça va se créer. Élie va passer, Élisée va comprendre que sur le Jourdain, il y a un chemin. Par la prière. La prière te permettra de créer des choses nouvelles qui vont installer les enfants dans la paix. Mon frère, la prière fait tellement de choses, mais retiens ça, je n'ai pas noté, tu retiens. La prière te recharge. Donc, même si tu ne vois pas l'exaucement aujourd'hui, tu es rechargé. Il y a certains esprits qui ne pourront jamais voler ton héritage. Parce que tu es très bien rechargé. Et la prière te permet de te rapprocher de celui qui est divin. La prière te permet de comprendre la puissance de la main de Dieu. Quand les autres seront angoissés, toi tu seras dans la paix. Parce que tu es une femme, un homme de prière. Je dis à quelqu'un les aromates. Écoute maintenant bien. Regarde un voisin, tapote le voisin, dis-lui, maintenant on va écouter ça aussi. Tapote bien le voisin, dis-lui, on va écouter ça aussi. Alors voici les épices et le parfum, donc pour embaumer. L'embaumement en fait, ça sert d'abord à éviter la propagation des bactéries. Ensuite, à conserver le corps. Combien de choses? Que quelqu'un me dise, hein? C'était quoi le 1? Éviter la propagation de quoi? Lorsque vous priez pour un problème, vous êtes en train de travailler pour éviter que ce problème se propage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu prends un problème, tu dis, moi je ne vois pas clair dans tel dossier. Lorsque tu pries pour ça, c'est pour éviter que ça arrive à tes fils. C'est pour éviter que ta fille pleure pour la même chose. Les bactéries ne doivent pas se... Ça doit rester, tu dois finir avec ça. Je dis à quelqu'un, tu dois aller avec les aromates. On ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas, mais on va aller avec. Parle-moi avec conviction, mon frère. On doit aller avec présentiel, distanciel. Dis-moi aromate.
Dis-moi, aromate, tu dois avoir ça. Les bactéries ne doivent pas se propager. Toi, tu as commencé à vivre. Tu sais, il y a même des prières que tu fais aujourd'hui. C'est parce que ton père a laissé les bactéries s'évaporer partout. Ton père a laissé que... Donc, les microbes ont envahi ta vie. Donc, ta vie spirituelle contaminée. Aujourd'hui, il y a des sujets de prière. Je chasse les célibats. Je chasse. Parce que ta mère n'avait pas chassé ça. Ta mère avait laissé les bactéries. Pourquoi tu es en retard? Les bactéries faire quoi? Tu ne dois pas laisser les bactéries se propager. On va embaumer cette affaire. Tu vas prier jusqu'à ce que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Ça doit prendre d'autres formes. Ça doit être la forme de témoignage. Dis à un voisin, c'est un témoignage. Écoute maintenant. Deuxièmement, on avait dit, ça sert à faire quoi? Conserver le corps. Écoute, il y a des témoignages que tu as laissés passer. Comme ça, tu n'as jamais témoigné parce que tu n'avais pas d'aromate. Des témoignages que tu devrais avoir dans ta famille, et le témoignage est conservé dans la famille. Dans les frigos spirituels de la famille, le témoignage est là. Quand les gens veulent prier, ils disent, nous nous rappelons de notre père. En 2022, il y avait quelque chose qui était arrivé et le Dieu des miracles a agi. Tu n'as pas conservé le miracle. Si tu ne conserves pas le corps, tu ne conserves pas le miracle. Conserve. Il y a des témoignages qui ne doivent pas sortir de ta maison. Ça doit rester dans ta maison. Ça doit s'entendre dans ta maison. On dirait que quelqu'un ne comprend pas. Il y a des témoignages que tu dois décider d'entendre chez toi. Tu dis dans ma maison, ça doit se faire entendre. On doit entendre que les miracles existent. Dans ma maison, on doit voir que les choses surnaturelles se manifestent. Il y a des miracles que tu dois conserver chez toi. La conservation du témoignage. Mais écoute, la conservation du témoignage émane d'une prière fervente. Tu pries sans relâche. Tu ne pries pas comme quelqu'un qu'on poursuit par un chien. Tu pries comme si... Non, mon frère, tu pries systématiquement. Et tu dis, j'arrêterai de prier jusqu'à ce que je verrai la gloire se manifester. Pourquoi dans ta famille, on ne peut pas aussi témoigner en disant, dans cette famille, du premier au dernier, il n'y a pas de pauvre. Du premier au dernier, il n'y a pas d'illettré. Du premier au dernier, il n'y a pas d'estérile. Du premier au dernier, chez vous, il n'y a pas ça. Vous ne pouvez pas conserver ce genre de témoignage. Il faut le conserver. Il y a des témoignages qui doivent entrer dans ta maison et qui ne doivent jamais sortir. J'ai envie que quelqu'un comprenne ceci. Il faut que tes enfants disent, ça chez nous, ça ne se fait pas. Ça tombe sur moi-même. Il faut, mon frère, moi j'ai déjà pris cette décision-là. Mes fils vont le dire que ça, dans cette maison, ça n'existe pas. Donc si vous voulez commencer, ça commence ailleurs. Que ici, depuis qu'on est petit, jusqu'à ce qu'on a vieilli, on n'a pas vu ça. Il faut que dans ta famille, il y ait des miracles conservés, des témoignages bien conservés. Que tes enfants soient capables de dire, nous étions avec notre père, on n'a pas vu d'échec comme ça. Chez nous, quand on commence, on avance. Chez nous, quand on commence, on réussit. Chez nous, quand on commence, l'Éternel nous amène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Fais entrer ce genre de miracles chez toi. Et pour cela, tu dois être un prieur. Va avec les aromates. Les femmes ont dit, il y a un problème, mais vous êtes allé avec les aromates, pourquoi alors? Parce qu'elles savaient que de toutes les manières, le problème là, il sera résolu. Mais les aromates, on ne lâche pas. Ne lâche pas tes aromates. Et je veux préciser ceci, lorsque tu as tes aromates, ne te focalise pas sur celui qui était à gauche, à droite. Sur celui qui vient, celui qui ne vient pas. C'est la Bible, quand vous lisez la Bible, sur les quatre évangiles, vous voyez que c'est l'écrivain qui nous relate. Que voici, il y avait Marie, il y avait tel mari. Mais elles-mêmes, les maris ne nous ont pas dit, j'étais avec telle. On va ensemble, mais chacun. On est dans l'église ici, mais. Celui qui est derrière n'a pas dit. On est dans l'église, mais. Il ne faut pas nous embrouiller. Oh non, comme on est des frères et sœurs, ma sœur, moi. Non, 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 chacun, chacun. Tu pries à ta manière, je prie à ma manière. Tu ne veux pas prier, tant pis pour toi. Moi, je prie, je sais d'où je viens. Je prie, je sais où je vais. Je prie, je sais que la tombe doit être libérée. C'est chacun, chacun. Toi, tu ne vas pas suivre la chaleur de celui qui est à tes côtés là.
Tu es là en train de regarder. On prêche devant, mais toi tu regardes toujours à côté. Quand on dit au voisin, tu regardes devant. Donc toi tu fais les choses de manière paradoxale. On peut être à 200, on peut être à 5, on peut être à 1000. Tu viens avec ta détermination à toi. Tu viens avec tes paroles en toi en prière. Tu viens avec ta foi à toi. Que personne ne te distrait. Sois convaincu et comprends que même si on est nombreux, c'est la détermination de chacun qui opère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, Dieu ne t'exaucera pas, mon frère, à cause de ma prière. Non. Dieu ne t'exaucera pas celui qui est là-bas à cause de celui qui est à droite. Dieu va écouter ta prière à toi. Rappelle-toi de la même femme que je te donnais dans Luc 7. Lorsque cette femme est venue, les pharisiens savaient que c'était une prostituée et ils étaient là en train de la juger. Oh, s'ils savaient de quel type de femme c'était, ils n'allaient pas. Ils étaient en train de la juger alors que les autres étaient là. Jésus a dit, écoute, tes péchés te sont pardonnés, vas-y. Vous croyez que les pharisiens qui étaient là n'avaient pas de péchés? Ils sont restés avec. Pourquoi? Regardez-moi très bien, je vais vous expliquer quelque chose qui nous arrive tout le temps. Pourquoi ces pharisiens sont restés avec leur péché? Jésus était venu chez eux. Jésus était là, assis sur une chaise. Il a même dit à Simon, écoute, moi je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Il était assis. Mais Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, la femme part. Vous croyez qu'eux n'avaient pas de péché? Est-ce qu'on avait pardonné les péchés? Pourquoi tu ne réponds pas? On avait pardonné ou pas? On n'a pas pardonné pourquoi? Regarde. Parce que généralement, les personnes qui aiment le système des yeux-yeux, que quelqu'un dise yeux-yeux. Oui, oui. Dis ça comme ça. Ajoute ça dans ton dictionnaire. Le système des yeux-yeux, c'est-à-dire, au lieu de se regarder, il regarde toujours les autres. Louange, on loue, toi tu regardes toujours les autres. On adore ici, toi tu regardes toujours les autres. On est en train de prêcher même, toi tu... Regarde les autres, on pardonnera aux autres, toi on ne te pardonnera pas. Tu as des péchés, mais tu es toujours la femme là. Elle est impudique. Alors que c'est... Tu sais qu'elle est impudique parce que tu étais là hier. Je parle ou je laisse? Marie de... Pour parler de Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'était pas n'importe quelle prostituée. C'était pas, comme on pourrait dire aujourd'hui, la prostituée des bas échelles. Non. Voilà pourquoi quand elle a donné son parfum, ce parfum, si on veut l'estimer, on pourrait l'estimer à une valeur de 3 000 à 4 000 $ à l'époque. C'était pas n'importe qui. C'était une prostituée qui sortait avec des dignitaires. Et les dignitaires, parmi eux, il y avait les... Ils étaient là. Ils étaient déjà allés dans cette chambre-là. Mais quand devant Jésus, les prostituées... Mon frère, prie. Concentre-toi sur ton problème. Concentre-toi sur ton affaire. Arrête de regarder à gauche, à droite. Arrête de dire, oh, pourquoi elle n'a pas encore mis au monde? C'est pas ton problème. Pourquoi elle n'a pas de travail? C'est pas ton problème. Pourquoi elle n'est pas mariée? C'est pas ton problème. Pourquoi elle n'avance pas? C'est pas ton problème. Pourquoi elle n'a pas de salaire? C'est pas ton problème. Focalise-toi sur ton problème. C'est pas ton problème. Toi, tu es là, tu n'es pas marié, mais tu connais la maison de la femme mariée là. Tu connais le nombre des enfants qu'elle a. Tu connais la date d'anniversaire de chaque enfant. Tu es qui? Tu es le parrain de ce mariage là. Un parrain célibataire. C'est quoi ton problème? Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Ne sois pas hypocrite, réponds-moi. Sors de là au nom de Jésus. Comment? Toi, tu es célibataire, mais tu connais tout ce qu'il y a dans la maison de la d'autrui. Yeux, yeux. Toujours. Hein? Un pasteur va poster la photo de sa fille qui a fait son anniversaire. Toi, tu connais même son âge. Tu connais là où elle étudie. Mais ta propre fille, si on te pose la question, dis-moi, quand est-ce que tu vas commencer à travailler? Bon, Dieu est fidèle. Hein? Mon frère, c'est à cause de vous qu'on injurie l'évangile. C'est à cause de vous qu'on injurie la parole de Dieu. C'est pas ça l'évangile de Jésus. C'est pas la paresse l'évangile de Jésus. Occupe-toi de ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Prie lorsque ça ne va pas. Jusqu'à ce que la situation va changer. Prie. Tel que ta vie est là, tu as trop de problèmes. Dis à un voisin, j'en ai trop. Tu n'as pas le temps de regarder l'autre. Vous êtes toujours là en train de regarder. Oh, regarde comment sa barbe. Hé, toi tu as vu ta barbe à toi? Tu regardes pas ta barbe à toi, mais tu regardes la barbe d'autrui. Tu es là comme ça en train de regarder. Son mari s'habille pas bien, hein? Ma soeur, est-ce que toi tu as même la moitié d'un mari?
Toi, tu sais comment on s'occupe d'un mari. Tu sais comment on s'occupe d'un homme. Vous savez, des fois, on ne réalise pas. Hein? Et quand on vient ici, on bénit les gens facilement. On croit que c'est la blague. Tout le monde aime. Ce n'est pas la blague. Hein? T'occuper d'un être humain, je parle d'abord aux femmes, hein? T'occuper d'un être humain, on a trop de problèmes, nous, les femmes. Trop. Que Jésus nous sauve. Voilà pourquoi moi, je trouve très bizarre qu'une femme soit... qu'elle soit dans les comportages, qu'elle soit dans les vies des gens. Tu y as trop de problèmes déjà pour ta propre vie, madame. Comment tu as le temps de parler des autres? Tu t'occupes d'un homme. Cet homme-là, c'est un être humain. Cet homme-là a son cœur. Il a son cerveau. Il fait ce qu'il veut. Et de surcroît, c'est lui le chef. Maintenant, occupe-toi de quelqu'un comme ça. Occupe-toi de quelqu'un comme ça, Lionel. Occupe-toi de quelqu'un comme ça, 2 ans, sans devenir malade. Donc c'est pourquoi ça que tu vois que les femmes mariées, de temps en temps, nous devenons folles et puis nous redevenons normales. Hein, toi, tu ne sais pas parce que tu ne comprends pas la dimension de notre folie. Hein, la démence a des degrés. Nous devenons folles et à un autre moment, on redevient bien. Dépassé par les événements. Tu dis à quelqu'un, porte la chemise bleue, je ne veux pas. Oh. La chemise bleue te va bien, je ne veux pas. Oh. Bon, prends ce que tu veux. Ce qu'il va porter là. Toi-même, tu te demandes, mais tu ne vois pas que c'est déjà petit. C'est pas petit. Ça me va. Oh my God. Have mercy. Toi-même, tu vois que le pantalon est déjà devenu dongui. Non. Lui, il veut seulement les styles. C'est bien. C'est juste que ça diminue un peu à cause du pressing. Ah. Donc, tu comprends pas. Tu dis, mais c'est quoi exactement le problème? Il a son cœur, il a son cerveau. Et c'est lui le chef. C'est pas facile. Toi, tu es là comme ça en train de regarder. Regarde. Son mari n'a pas peigné les cheveux. Doit prendre les peignes, va peigner ça. Toi, tu crois que c'est facile? Les gens qui ont les yeux aiment s'occuper toujours des affaires des autres. Alors que même ils ont trop de problèmes. Sois délivré. Et toi, monsieur, qui est toujours là en train de regarder. Oh, la femme là. Oh, il s'occupe pas bien de sa femme. Toi, tu joues avec la femme. Toi, tu connais la femme. Toi, tu connais la femme. La femme, c'est un être. Elle te demande l'huile d'olive. Tu lui donnes l'huile d'olive. Elle te dit, est-ce que moi, je t'avais demandé l'huile d'olive? Elle a demandé l'huile d'olive, hein? Mais quand tu vas lui donner, ou si tu trouves une femme peut-être de catégorie un peu plus évoluée, alors elle va regarder l'huile d'olive et dire, est-ce que je t'avais demandé terre? Je t'ai demandé huile d'olive Jimima. Mais quand elle t'avait demandé, elle n'avait pas précisé. La femme est quelqu'un de versatile. Toi, tu crois que c'est facile qu'un homme s'occupe d'une femme? C'est pas évident. C'est pourquoi tu vois certains hommes. Il n'était pas chauve, mais il devient chauve. Parce qu'il est dépassé par les événements. Dépassé. Quand tu regardes à sa famille, tout le monde a des cheveux sauf lui. Le problème, c'est que la femme qu'il a épousée a enlevé tous les cheveux. C'est fini. Toi, tu blagues. Ça a enlevé tous les cheveux. Toi, tu es là. Oh non. Un autre, il a les cheveux, mais c'est devenu gris. C'est devenu blanc. Vite. Oh non, il faut mettre, je ne sais pas, les colorants. Mon frère, même s'il met le colorant, ça va les rattraper. Dépassé par la femme. Hmm? La femme qui dit qu'elle est fâchée contre son homme parce qu'ils ont des problèmes. Elle boude un peu, elle fait des caprices, elle est dans son coin. Et le gars qui dit, ok, elle reste un peu dans son coin, alors on reste comme ça. Et c'est la même qui viendra. Tu parles pas. Elle commence à pleurer. Alors que celle qui avait commencé à bouder, c'est qui? C'est elle. Comment veux-tu que ce soit facile de s'occuper d'une femme? Mais toi, tu es là toujours célibataire de ton état. Tu n'as même pas une chaussette. Mais tu juges comment l'homme d'autrui s'occupe de sa femme. Sois délivré. Concentre-toi sur ta vie. Prie et prie encore. Daniel 10, 12, et on s'arrête par là. Daniel 10, 12. Il y a quelque chose d'intéressant aussi là-bas. L'ange dit à Daniel... Daniel est en train de reprendre ce que l'ange a dit. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur. Que quelqu'un dise, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Quelle déclaration puissante. Celui qui a entendu la lecture, que cette personne m'explique. Quand est-ce que Dieu avait entendu les paroles de Daniel? Dès le premier jour. Donc, dès le premier jour où Daniel se met à genoux pour prier pour le dossier, Dieu a entendu.
Mais dans d'autres versions, on dit, tu as été exaucé. Dès le premier jour. Lorsque vous priez avec la foi et persévérance, vous n'êtes pas exaucé le jour de la manifestation du miracle. Vous êtes exaucé dès le premier jour. Si seulement tu pouvais le comprendre, tu allais prier tout le temps. Dès le premier jour, Dieu t'a exaucé. Mais la manifestation du miracle est une question de temps. J'explique. Lionel, venez. Enoch, venez. Regardez ce qui s'est passé. On reste avec les femmes. Venez de ce côté. Et Enoch, restez ici. Je reste avec l'exemple des femmes. Ça, ce sont les femmes qui doivent aller à la tombe. Poussez-vous un peu. Les femmes ont pris les aromates. Et elles se sont dit, on va à la tombe. La Bible nous a dit qu'il était vers quelle heure? Très tôt le matin. Mais quand vous lisez aussi la parole de Dieu, la parole nous révèle que Jésus est sorti de la tombe avant même que les femmes ne se lèvent. Il est sorti bientôt. Donc la pierre était roulée avant que les femmes ne se lèvent. Mais les femmes ont décidé avec les aromates d'aller vers la tombe. La tombe était déjà... Très bien, tu suis très bien. Je sais, tu es intelligent. La tombe était déjà vide. Alors quand les femmes s'inquiètent pour la pierre, elle était déjà roulée. Mais les femmes ont eu la connaissance lorsqu'elles sont... Entre les femmes et la tombe, il y a une distance. Et cette distance doit subir l'influence du temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je préfère rester seulement dans cette histoire pour ne pas t'embrouiller. Je reste seulement là. Ça veut dire quelque chose qui se passait en un instant. Mais quitter la maison de Marie de Magdala, aller à la tombe, il fallait... Si elle avait quitté à 8 heures juste, elle arrive ici, il est 8 heures. Est-ce que la tombe a été... La pierre a été roulée à 8h30? La pierre a été roulée à 8 heures juste? Elle a été roulée bien avant. Mais jusque-là, Marie ne sait pas. Quand elle arrive ici, il est peut-être 9 heures. Elle n'a pas encore vu la tombe, mais la pierre a déjà. Quand elle arrive ici, il est 10 heures. Elle constate que la pierre a été... Marie va dire, la pierre a été roulée à 10 heures. Non, elle n'a pas été roulée à 10 heures. Elle s'est manifestée à toi à 10 heures. Le temps. Entre l'endroit et la destination, il y a un temps. Il y a un temps. Le jour où tu as prié, tu as été exaucé. Mais la manifestation est obligée de subir l'influence du temps. Même quand nous marchons, il y a l'influence du temps. Quitter là-bas jusqu'ici, ce n'est pas la même minute. Il y a l'influence du temps. Et donc, quand tu pries pour une situation avec persévérance, le jour où même tu as commencé, Dieu a ouvert. La pierre a été roulée. Le problème a été réglé. Est-ce que quelqu'un comprend que son problème a été réglé? La chose a été réglée. Et le problème que tu as oublié là, j'ai dit, on va remettre ça sur table, on va finir avec. Dès que tu te mettras à prier, la pierre sera roulée. Toi, tu vas t'inquiéter pour dire ce problème. Non, le problème a déjà été terminé. Jésus s'est occupé de la pierre. Toi, occupe-toi de la prière. Jésus s'occupe de la pierre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Faut pas chacun son travail. Dis à un autre, chacun son travail. Dis à quelqu'un qui a la foi, chacun son travail. Il faut pas s'embrouiller, mon frère, chacun son travail. Tu vois ça? Tu vois là, comme tu es assis là, où tu es assise, je ne vais pas te donner le micro pour venir ici. Je donne le micro pour venir ici, tu vas nous rencontrer les histoires et les fables. Mais voilà, chacun son travail. Toi, tu es assis, tu m'écoutes, moi je parle et toi, tu t'élèves dans la foi. Chacun son travail. Ce n'est pas à Pierre de marcher sur les eaux. Il ne pouvait que s'enfoncer. Il ne pouvait que s'enfoncer. Oh non, il avait eu peur. Maman, même s'il n'avait pas eu peur. Dans l'ancienne alliance, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Dans la nouvelle alliance, nous marchons maintenant sur les eaux. Et donc, je dis à quelqu'un, c'est une affaire de temps. Est-ce que tu avais prié avec persévérance autrefois? Si tu me dis oui, c'est une affaire de temps. La manifestation arrive, mais la chose a déjà été terminée. Dis à un frère, la pierre a déjà été roulée. C'est une déclaration prophétique. Dis à un autre, la pierre a déjà été roulée. Elle a déjà été roulée. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils viennent chez moi pour la prière, le Seigneur me dit, ah, ne prie pas. Dis-lui seulement de rendre grâce à Dieu, j'ai déjà fini ça.
Et je dis non, Dieu a déjà fini. Rends seulement des actions de grâce. Donne des actions de grâce en ordre et en désordre. Dieu a déjà fait. La pierre a déjà été roulée. Mais le temps de voir que ça a été roulé, il faut un peu courir. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, cours. Cours selon ta vitesse. Ne regarde pas à gauche. Cours dans la foi, cours. Dans la prière, cours. C'est une sorcellerie que de courir au rythme de quelqu'un. Non, même les frères Enoch, d'ailleurs, il a péché, alors moi. Ah bon? Toi, tu es de quel niveau? Où est-ce que tu t'aimais? Donc, quand tu dis ça même, on comprend même comment, combien tu ne t'estimes pas. Donc, toi, tu es là, tu dis, ah, même lui, d'ailleurs, il a péché. Même lui, ses vidéos sont sur YouTube, alors nous autres. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, ton modèle, c'est Jésus. Le plus grand modèle, c'est Jésus. Je pose la question, est-ce que je ne t'ai jamais dit que ton modèle ne doit pas être ton pasteur? Même si tu peux l'imiter en bien, mais ce n'est pas le modèle suprême. Le donne-moi un amen. Vous ne donnez pas les amens, ce sont vous là qui sont devenus rebelles. Le modèle suprême, c'est Jésus. Pasteur, moi, je te shoot déjà. Ah, oh, maman, nous, on est derrière toi. Derrière qui? Quitte là. Tu vas m'amener des malédictions dans la vie. Moi, j'ai fait des efforts pour que Jésus m'aime encore, encore, encore. Toi, tu viens m'embrouiller la vie. Oh, maman, bisokakaboye. On ne te lâche pas. On te tient. Ce sont les gens là qui aiment tenir tout le temps là. Ce sont eux aussi qui vont dire, cette chemise est petite. Hein. Comment le frère Léonel a porté ça? Les gens qui critiquent beaucoup là, ce sont ces gens là qui sont toujours là. Vous savez, j'ai vu cette race de personnes. Hein. Ça veut dire, ce sont des gens qui ne quittent pas, qui ne vous quittent jamais, qui moisissent avec vous, mais qui vous critiquent tous les jours. Mais il vieillit là. Il fait des enfants. Il est le premier à dire, Pasteur Joël, a changé. Mais tu es là. Pourquoi tu es là? Moi, je ne comprends pas. Quand on n'aime pas une chose, on ne reste pas là. Pars. Mais toi, tu es toujours là. Toujours en train de parler. Tout. C'est une maladie. Je dis à un frère, reste focus sur toi. Et attends maintenant la manifestation. La pierre a déjà été roulée. Je dis à quelqu'un ce matin, voici même la décision que j'avais quand je priais le matin. Il y a des gens ici, je ne prierai plus pour vous pour tel sujet ou tel autre. Je ne prierai pas. La pierre a déjà été. On attend la manifestation. Ça tombe sur la vie de qui? Écoute ceci, c'est là que je mets un point. La Bible dit clairement, Daniel dit que l'ange lui a dit, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elle que je suis venu. Elle, c'est qui? Les paroles. Tu fais chômer l'ange du combat. Tu fais chômer l'ange de la victoire. Tu fais chômer l'ange messager parce que tu ne pries pas. L'ange est venu, il n'a pas dit Dieu m'a envoyé, il a dit tes paroles. C'est à cause d'elles que moi je suis venu. Maintenant, pourquoi tu ne pries pas? Même à l'église, là, on est nombreux, ça peut te donner un peu de chaleur. On dit tout prier. Prions. Alléluia. Alléluia. Tu regardes même tes chaussures, tu regardes ton corps. Qui t'a ensorcelé? Il y a des anges qui bougent lorsque tu ouvres ta bouche au nom de Jésus. Vous savez, moi, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui pensent qu'il faut forcément se battre pour commencer à donner des ordres aux anges. On n'en a pas besoin. Parce que quand je prie au nom de Jésus, il bouge. Donc, de manière indirecte, il reçoit les ordres. Je n'ai pas besoin de dire Michael, tout ça. Non, d'abord, il ne faut pas qu'ils m'embrouillent avec leur nom là, parce que moi, je suis concentré sur beaucoup de choses. J'ai beaucoup de problèmes qui ont beaucoup de noms. Que je commence à retenir encore les anges. Oh, l'ange, ceci. Oh, l'ange de minuit, des 5 heures du matin. Papa, maman, j'ai trop de problèmes qui ont des noms différents. Je suis focalisé sur les noms de mes problèmes. Moi, quand j'ai dit, je suis à genoux, j'ai dit, au nom de Jésus, que la grâce m'accompagne. L'ange de la victoire se déplace. Il dit, on a appelé le nom de quelqu'un. C'est la signature. Comme la signature a été dite, on bouge directement. J'ai dit qu'une parole attire des anges sur ta vie.
Aucune prière attire des anges sur ta vie. Tu prieras jusqu'à ce qu'ils viendront. Tu prieras jusqu'à ce qu'ils bougeront. Tu prieras jusqu'à ce qu'il y aura des mouvements. Qu'il y ait des mouvements dans le ciel à cause de tes paroles. Que quelqu'un me dise, ils vont bouger. Dis-moi avec autorité, ils vont bouger. Il faut qu'ils bougent. Il faut qu'il y ait des anges qui se sentent obligés de rester avec tes enfants. Ils sont obligés pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu déclares que l'Éternel soit avec mes enfants. Au nom de Jésus, qu'ils soient protégés. Au nom de Jésus, qu'ils soient couverts. Les anges se sentent obligés de rester avec tes enfants. Ils ne bougent pas. Ils sont avec eux. Dans les écoles d'aujourd'hui, on initie même les enfants de 2 ans. Tes enfants ne seront pas atteints. Tes enfants ne seront pas atteints. Oh, il y a une histoire bizarre qui m'a été racontée. Je vais voiler ça pour que ça soit bien perçu. Il y a un enfant qui est... Il y a des enfants qui sont dans la salle de l'examen. Et puis l'un d'entre eux dit, donne-moi ton stylo. Et puis l'enfant, de manière très innocente, prend son stylo et donne à son collègue. Et quand il dirige le stylo, le collègue, un petit enfant, hein, il a 9 ans, il regarde le stylo et dit non, je ne prends pas. Il dit pourquoi? Alors lui, c'est un enfant innocent, il n'a aussi que 9 ans. Il insiste, il croit que son ami en a besoin, ils font l'examen. Et alors il se déplace même, prend. Et plus il s'avance, son ami commence à crier, il commence à hurler, il tombe. Ce n'est pas le petit garçon le problème. Derrière, il y a quelqu'un. Il y a un père qui est en train de protéger ses enfants. Il y a des anges qui sont en train de veiller. On ne peut pas ensorceler ton enfant. On ne peut pas envoûter ton enfant. Prie et prie encore que les anges se déploient. Prie pour ta maison, que les anges entourent ta maison. Prie pour ton travail, que les anges te précèdent, qu'ils se mettent sur ta chaise, qu'ils signent les dossiers avec toi. Là où on voudra te piéger, que les anges t'orientent. Ils ne sauront pas pourquoi. Ils piégeront à gauche, tu sortiras à droite. Ils piégeront devant, tu sortiras derrière. Ils se poseront les questions. Où est son sorcier? Où est son marabout? Qui a fait des rituels sur lui? Et toi tu diras, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ton marabout c'est Jésus. Le ritualiste de ta vie c'est Jésus. C'est lui qui garde ta vie. Et tu prieras encore. Tu vas confondre le monde des ténèbres par la puissance de ta prière. Il y a 7 semaines, des anges qui doivent descendre chez toi. Et lorsqu'ils vont descendre, ces anges doivent dire, on est venu à cause de tes paroles, à cause des prières que tu as libérées dans les ciels. Je dis à quelqu'un, aucun sorcier ne doit s'approcher de ta maison cette semaine. Le feu doit entourer ta maison cette semaine par la puissance de la prière. Je libère une prophétie pour les hommes intelligents, les hommes de foi. Il y a même ce qui est à toi qui se retrouve dans les mains de quelqu'un qui doit revenir vers toi. Ça doit rentrer. Ça se trouve chez cet homme-là. Je ne le connais pas, mais je sais qu'il a ça. Je dis, ça doit rentrer chez toi. Ça se trouve chez cette femme-là. Ça doit rentrer chez toi. Et puis je dis ceci, il va lui-même revenir avec te donner ça. Est-ce qu'il y a un poste que l'on t'a arraché méchamment? Tu dois récupérer ça. Est-ce qu'il y a un salaire qu'on t'a arraché méchamment? Tu dois récupérer ça. Et comme Dieu sait faire les choses, qu'il ne te donne pas le vin ancien, qu'il te donne le vin nouveau. Regarde un frère, dis-lui, le vin est terminé. Regarde un autre, dis-lui, le vin est fini. Quand le vin est fini, Dieu ne donne pas ce qui était déjà. Dieu va donner le nouveau vin qu'on n'a pas encore goûté. Jésus, le vin est terminé. Rajoute le vin nouveau. Je prophétise au nom de Jésus que l'Éternel te donne la victoire par la prière. Qu'il te donne la victoire par la persévérance. Qu'il te donne la victoire par la persévérance dans la prière. Ne te décourage pas. Ne te fatigue pas. La pierre a déjà été roulée. N'écoute pas tes amis. La pierre a déjà été roulée. Ne regarde pas les situations. La pierre a déjà été roulée. Ne regarde pas tes frères. La pierre a déjà été roulée. Ceux qui contredisent ta foi, ne les écoute pas. La pierre a déjà été roulée. Je déclare dans la maison de quelqu'un, ce qui enlève ta joie, ce qui enlève ta paix, elle a déjà été roulée. Ce qui te fait pleurer a déjà été roulé. Ce qui veut t'arracher ta tranquillité a déjà été roulé.
Ça a déjà été roulé. Ah, Jésus fait sa part. Et nous, nous faisons la nôtre. Nous, nous prions. Jésus s'occupe du miracle. Nous, nous prions. Jésus s'occupe de la pierre. Lui-même, il va déjà enlever. Voilà pourquoi le diable déteste te voir dans la foi. Le diable, parce qu'il sait que si tu as la foi, même si tu ne dis pas beaucoup de choses, les pierres vont commencer à sauter. Voilà pourquoi le diable déteste vous voir venir à l'église pour prier. Non, il n'aime pas ça. Non. Il va s'organiser pour que tu sois bloqué dans les embouteillages, pour que tu sois appelé par un ami toxique et inutile dans la vie. Il va toujours s'organiser. Non, non, j'étais avec les enfants. Comme si sans Jésus, tu aurais ces enfants-là. Le diable n'aime pas voir les gens prier. Il va vous laisser faire autre chose, mais pas prier. Parce que la prière, non seulement ça l'affaiblit, mais ça vous donne votre position. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Shekayara Sataya. Oh, je vais te donner seulement deux sujets. Il n'y aura pas de protocole. Toi-même, tu vas prier. Nous allons déclarer au nom de Jésus. Je crois que ce problème est déjà terminé. C'est une question de temps. Et ensuite, on va carburer.